Bonjour tout le monde et bienvenue à cet enregistrement que je fais en vidéo pour l'atelier pharmacie naturelle que l'on fait dans un groupe Facebook. Donc, vous êtes plusieurs à avoir manifesté votre intérêt. J'apprécie tellement, je suis super heureuse d'aborder ce sujet-là avec vous, qui est l'utilisation des huiles essentielles et des produits connexes dans notre pharmacie pour vraiment avoir des produits qui sont super efficaces, naturels et qui ont un impact positif sur l'environnement également. Donc, je me présente, je suis Lison Guérette, je suis fondatrice de la page et du blog Boréalescence et je suis formatrice doTERRA également. Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler des bases. Je vous ai partagé un peu plus tôt la pyramide de la santé, dans le fond, et j'en ai parlé dans mes Facebook Live qui ont coupé. Vraiment désolée pour cette technologie-là. Je vais m'engager à faire des vidéos de cette façon-là, comme ça, il n'y aura pas de coupure et je vais pouvoir enregistrer d'un seul coup également. Et avec une meilleure lumière aussi que la lumière du soir. Où j'étais rendue dans mes vidéos, je vous ai parlé du trio Vitalité, les LLV, dans le fond, oméga-3, antioxydants et multivitamines. Je vous ai parlé de l'importance du lavage des mains. Je vous ai parlé de comment on peut prendre soin des lèvres sèches également pendant cette période-là. En fait, j'étais rendue là, où je vous parlais vraiment du baume à lèvres doTERRA ou de choisir vraiment un baume à lèvres qui va être à base de beurre végétaux et d'huile végétale avec des huiles essentielles. C'est extraordinaire et c'est compatible avec le corps humain, contrairement avec des trucs dérivés du plastique ou pétrochimique. Pour les cas plus lourds, un produit chouchou que je traîne toujours, toujours dans ma sacoche, là, quand on a vraiment les lèvres hyper irritées à ce temps-ci de l'année, c'est le Correctix. J'aime dire que ça remplace un polysporin ou un onguent. C'est vraiment un onguent à base d'huile essentielle avec de l'encens à l'intérieur, de l'hélichrys, du cèdre. Il y a du melaleuca et de la lavande à l'intérieur comme huile essentielle. Dans le fond, on peut l'employer sur des petites éraflures, sur des brûlures, des piqûres d'insectes également. Ça m'a suivi au camping cet été. Mais à ce temps-ci de l'année, ou encore même l'été, quand on a les lèvres brûlées par le soleil, ou quand on a vraiment les lèvres très irritées, ou tu sais, les enfants, ils vont se licher autour de la bouche et devenir tout rouge, tout irrité, bien, ah, c'est là que je sors mon Correctix, qui va vraiment être traitant puis aider énormément avec l'action des huiles essentielles. C'est sûr que ça goûte pas l'orange sauvage comme le baume à lèvres, mais c'est très doux, c'est pas irritant, ça fait super bien. Donc voilà pour le Correctix que j'ai toujours. Je pense que c'est vraiment un must à avoir dans sa sacoche, avec surtout quand on a des enfants qui se font souvent mal, des petits maladroits. Sinon, un autre must, une autre base, je pense, c'est les probiotiques. Des probiotiques qui vont être vraiment de souche compatibles avec le corps humain, encore là. Malheureusement, des fois, en commerce et en pharmacie, il semble qu'on trouve des probiotiques qui finalement vont être éliminés par l'acide de l'estomac, puis qui n'ont pas des souches compatibles avec le corps humain non plus. Donc ça, c'est important de bien choisir ses probiotiques. Moi, j'ai fini les miens, donc je ne pourrais pas vous montrer ma bouteille. La prochaine est dans la poste. Je suis en retard dans mes choses. Mais j'ai ceux pour mes enfants, qui sont en petits sachets comme ça, c'est des doses individuelles. Puis c'est une petite poudre qui sent, en fait, ça goûte le melon d'eau. Ça goûte sucré aussi, c'est sucré avec du xylitol. Dans le fond, c'est un sucre, c'est un édulcorant qui est naturel et qui, en plus, renforce les mailles des dents. Donc, utilisez aussi dans la pâte à dents On Guard si jamais vous la connaissez. Et c'est en poudre, ça goûte comme des bonbons, là. Moi, mes enfants, ils en raffolent, ils me le demandent à tous les jours. Et donc, c'est ça, c'est micro-encapsulé. Donc, même si c'est une petite poudre, chaque petit grain est micro-encapsulé pour se dissoudre vraiment dans l'intestin des enfants. Donc, encore là, une belle qualité. Il y a les oméga-3 à l'orange sauvage aussi pour les enfants. Il y a les petites vitamines croquables pour enfants en bonhomme sourire que j'apprécie particulièrement aussi. Sinon, ça ressemble pas mal à ça par rapport aux bases, ce que je voulais vous parler. Donc, si je récapitule, d'avoir des bonnes habitudes de vie, de prendre en main notre santé, de se responsabiliser, de voir à avoir un bon sommeil, une bonne gestion du stress, puis on a plus de pouvoir qu'on pense là-dessus, vraiment. Tu sais, des fois, on croit qu'on ne sera pas capable de s'en sortir tout seul et tout ça, mais oui, on peut aller chercher de l'aide, mais on peut aussi se prendre en main puis adopter des trucs super efficaces. Au courant de la semaine, ce que je vous propose de parler, on va parler de digestion. On va parler du système respiratoire également, du sommeil et la gestion du stress aussi. Soins de peau
Et autres points variés, j'ai plein de choses à vous partager. Je vais vous montrer des huiles essentielles, leurs utilités. Donc, je vous invite à suivre, à rien manquer. Puis également, pour le tirage à la fin de l'aventure, je vais faire tirer, dans le fond, une bouteille d'huile essentielle de citron avec également une bouteille d'eucalyptus radiata, eucalyptus radié. Dans le fond, parmi les gens qui auront commenté sous les publications dans ce groupe-là, donc qui auront participé. C'est vraiment un prix de participation. Puis, à la fin de la semaine, j'aurai aussi des promotions là, exclusives à vous proposer. Je veux finir d'ici vendredi, dans le fond, ce groupe-là, avoir terminé, mais j'ai plein de trucs à vous partager. Fait que ça se peut que j'aille des fois 2 publications par jour également. Donc, bien hâte d'échanger avec vous. Si vous avez des trucs aussi, des astuces qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à les partager. Vous êtes les bienvenus de le faire. Je veux vraiment que ce soit interactif, là, ce programme-là. Donc, bienvenue encore une fois, puis merci pour votre belle participation. Et on se reparle demain. Bye!